Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers parents. Bonsoir à vous qui êtes connectés à Réveil TV sur votre chaîne, qui est votre chaîne locale, n'est-ce pas, dans la ville de Port-Gentil. Merci vraiment, merci une fois de plus de vouloir, d'avoir bien voulu prendre part à ce partage dont le but est, n'est-ce pas, d'encourager la jeunesse de Port-Gentil. Vous êtes actuellement sur votre chaîne Réveil TV sur l'émission « Une jeunesse selon le Seigneur ». Aujourd'hui, j'ai mon frère Standy avec qui nous avions très souvent à cœur de partager, qui ne sera pas là ce soir. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager avec vous, n'est-ce pas, quelque chose dont le Seigneur, n'est-ce pas, fait brûler dans mon cœur depuis un certain temps. Et ma prière que vous soyez, n'est-ce pas, touchés, vous soyez interpellés. Et je remercie tous ces frères et sœurs là qui, au travers de leurs SMS, au travers de leurs appels, nous encouragent. Et aussi, je profite aussi de l'occasion pour vous encourager, vous qui vous efforcez à suivre le Seigneur, malgré vos manquements, malgré vos faiblesses, vous qui, au travers des paroles que le Seigneur nous donne, vous vous sentez interpellés, touchés, et vous dont les cœurs, n'est-ce pas, fléchissent devant la parole du Seigneur. Je vous encourage et c'est le désir de nos cœurs, n'est-ce pas, de voir cette jeunesse de Port-Gentil enfin être délivrée du péché, être délivrée du mal. Seigneur Père, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments Adonai. Toi qui connais les cœurs, toi qui connais nos vies, Père. Merci de prendre le contrôle de ces moments, merci de toucher une vie, Papa. Mon désir n'est pas de blesser quiconque, Père, mais de pouvoir partager selon ce que tu nous as permis de recevoir, selon ce que tu as déposé dans nos cœurs. Papa, je te bénis pour les familles qui se sentent encouragées, pour les vies qui se sentent fortifiées, Papa. Je te bénis aussi pour ceux-là qui résistent à ta parole, Père, car la Bible dit que tu résistes aux orgueilleux. Car un jour viendra où cette parole sémée dans leur cœur portera du fruit, Papa. Merci de prendre le contrôle. Merci pour ta parole qui nous sanctifie. Merci, Seigneur, pour ton soutien. Merci, Seigneur, pour tes encouragements. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. N'est-ce pas, aujourd'hui, nous allons, par la grâce du Seigneur, partager sur la jeunesse, n'est-ce pas, et les réseaux sociaux. La jeunesse et les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux et pourquoi la jeunesse? Nous allons prendre nos Bibles. En introduction, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 1, 2. Dans Jean 1, 2. Dans Jean 1, dans 1 Jean 2, pardon. On prend nos Bibles dans 1 Jean 2. À partir du verset 15. Si les frères à la régie peuvent trouver le passage. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Très souvent, n'est-ce pas, les frères, merci pour le passage, hein, très souvent, n'est-ce pas, nous avons rattaché le monde à l'humain, à l'homme. Mais quand on lit ce passage-là, on comprend aussi que le monde, n'est-ce pas, c'est une philosophie, c'est une façon de marcher. Le monde, n'est-ce pas, c'est cette humanité-là qui a refusé le Seigneur. Le monde, c'est cette pensée-là, cette façon de faire, cette façon de marcher selon ses propres pensées à soi-même. Le monde, c'est la façon dont la société veut que nous marchions aussi. Parce que bon nombre de sociétés, n'est-ce pas, ont dit non au Seigneur et ils ont refusé que le Seigneur, n'est-ce pas, soit le maître de leur vie, soit celui qui les dirige. Dans Jean 3, 16, le Seigneur dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Là, on comprend qu'il s'agit des hommes. Mais aujourd'hui, je veux qu'on comprenne le monde comme cette société-là, comme cette gouvernance-là, à la tête de laquelle on a les hommes. Cette gouvernance-là qui est gérée par l'homme. Cette façon de vivre où Dieu ne prend pas plaisir, où Dieu n'est pas consulté. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean 5. On va voir ce que le Seigneur dit du monde. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous allons comprendre
de quel monde je parle. 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, pour dire sous la puissance de Satan. Vous imaginez un verre dans lequel on a rempli de l'eau, et dans ce verre, n'est-ce pas, on a déposé un caillou qui est comme l'image du monde, et que cette eau est l'image du malin, est l'image du mal. Dans cette inversion, on vous dira, le monde est sous la puissance du mal. Ça veut dire la société est influencée par le malin, est influencée par le mal. Et cela pousse le Seigneur à dire, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, notamment les réseaux sociaux. Nous sommes dans le monde, et dans le monde, nous avons les choses du monde, parmi lesquelles font partie les réseaux sociaux. Mais pourquoi le Seigneur dit, n'aimez pas ce qui est dans le monde? Est-ce que la question que nous devons nous poser, c'est de savoir, les choses dont le Seigneur pointe, qui sont dans le monde et auxquelles on ne doit pas s'attacher, viennent-elles de lui ou pas? Nous allons prendre Éphésiens pour comprendre pourquoi le Seigneur dit, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. On a compris déjà que le monde est influencé par le mal, et ce monde-là fonctionne suivant les principes du mal. Pour la plupart du temps, c'est ce que l'on vit. Ce monde fonctionne suivant les désirs de son cœur, suivant sa propre pensée, parce qu'elle est influencée par le malin, parce qu'elle est influencée depuis la chute d'Adam et Ève. Elle est influencée. Et cette influence-là a amené des hommes à mettre en place des choses qui, dans le monde, combattent les enfants d'Élohim, qui, dans le monde, amènent davantage les hommes à aimer le monde. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 4, verset 19. Avant de parler des réseaux sociaux, j'aimerais qu'on comprenne les origines, qu'on comprenne qu'on est dans un monde qui a refusé le Seigneur. Et dans ce monde, il y a des artifices qui sont développés par les non-croyants, dans le but de faire quoi? De nous faire aimer le monde et ses choses. Nous allons prendre Éphésiens 4, à partir du verset 17, voici donc ce que je dis, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Verset suivant, ils ont l'intelligence, quoi? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. On comprend ici que Paul dit aux interpelle les chrétiens de ne plus marcher comme ceux du monde. Parce que ceux du monde, n'est-ce pas, qui ont rejeté le Seigneur, qui veulent vivre selon eux, n'est-ce pas, ont une intelligence obscurcie. Ils sont conduits par le malin. Quoi qu'ils veulent parfois développer ou créer des choses pour aider l'homme, mais derrière ça, c'est la pensée du mal qui est cachée. Eux-mêmes parfois ne s'en rendent pas compte. Vous voyez que cette intelligence obscurcie-là, comment parvenons-nous à l'identifier? Au travers des fruits qu'elle manifeste, notamment les réseaux sociaux. Pour ceux-là qui ne savent pas, ces réseaux sociaux sont développés par ces personnes qui ont l'intelligence obscurcie. Ces personnes qui sont ignorantes, n'est-ce pas, à la vie de Dieu. Ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Quoi qu'ils créent ces choses disant qu'ils veulent faciliter la communication, ils veulent aider l'homme, non. Il faut que vous le sachiez, les réseaux sociaux ne sont pas le fruit de Yahweh. Les réseaux sociaux ne sont pas l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre des hommes. Lesquels des hommes? Les hommes-là qui ont refusé le Seigneur. Vous voyez qu'à la base n'est pas bonne. La base n'est pas bonne. Ils ont refusé le Seigneur. Ils veulent faire des choses bien pour aider l'homme, mais ils ne s'en rendent pas compte que derrière, c'est Satan qui les pousse à travailler. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les dégâts que les réseaux sociaux... Les frères, vous pouvez enlever, mettre, vous pouvez, ok. Vous pouvez voir aujourd'hui quel est l'impact des réseaux sociaux dans nos vies, chers frères et sœurs. Vous, si vous êtes,
Si vous êtes juste avec vous-même, vous verrez que vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux que dans vos Bibles. En ce qui concerne les chrétiens là qui disent « je vais sur les réseaux sociaux pour suivre des enseignements ». Satan ne viendra jamais combattre contre vous parce que vous regardez une vidéo. La preuve en est que vous pouvez regarder une vidéo sur Facebook ou YouTube du matin au soir. Vous n'êtes pas fatigué. Mais dès que vous dites « je veux méditer », là vient le problème. Là, dans vos pensées, vous direz « j'ai oublié de faire ceci, je devais faire cela, on m'appelle ceci, le téléphone sonne ». Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait que la lecture, la méditation quotidienne de la parole vous fortifiera. Et comme l'ennemi travaille avec les hommes pour perdre les hommes, il travaille avec ceux-là qui ont endurci leur cœur, ils ont mis sur pied les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram. Ils ont mis tous ces artifices pour vous perdre. Et par la grâce du Seigneur, nous allons ensemble, nous allons voir, prendre conscience de l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Il y a des familles où le père a perdu la relation avec son enfant à cause des réseaux sociaux. À 19h, quand il faut manger, l'enfant va dans sa chambre manger parce qu'il faut qu'il soit connecté. Et quand il est connecté, les amis, croyez-vous que la création venant de quelqu'un qui a le cœur loin du Seigneur peut être bonne? Non. Nos enfants, beaucoup se font éduquer par les réseaux sociaux, notamment par Facebook, TikTok. Beaucoup se font éduquer par là. Les chrétiens aussi, ils sont tombés dans le bain. Il y a tellement de prédicateurs. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux des prédicateurs du matin au soir sans vous fatiguer. Où est ta vie de prière? Où est ta vie de méditation? Frère, réalisons que les réseaux sociaux ne nous veulent pas du bien. Satan veut occuper le maximum du temps dans la vie des chrétiens. Satan veut nous prendre tout notre temps. Or, le Seigneur nous veut pour lui. Nous avons l'exemple de Myriam qui était au pied du Seigneur. C'est l'image des chrétiens là qui sont toujours au pied du Maître. Mais de nos jours, les amis, de nos jours, beaucoup sont connectés aux réseaux sociaux, sont connectés à Facebook, à TikTok, mais pas à Jésus. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que la plupart des enseignements que vous avez suivis ne vous ont apporté rien. Vous n'avez rien tiré de là. Il n'y a pas une vie qui est dégagée de là. Il n'y a pas une vie qui est dégagée de là. Vous avez aujourd'hui des femmes sur les réseaux sociaux qui ont créé de groupes de femmes rebelles parce qu'elles ont des maris, on peut dire compliqués. Au lieu de se faire encourager par ceux-là qui craignent le Seigneur autour d'eux, elles créent des réseaux où c'est la haine qui se propage. Frère, les réseaux sociaux détruisent la vie chrétienne. Il faut qu'on le réalise. Dès que vous ouvrez une page, vous allez remarquer que les images qu'ils vous ont envoyées là, pour un début, c'est des images impudiques, c'est des images perverses. C'est fait à dessein. Il faut que vous le réalisiez. Il faut que vous le réalisiez. Vous sortez d'un temps de prière. C'est le téléphone que vous prenez pour regarder. Vous avez des chrétiens qui se lèvent le matin. C'est WhatsApp. Combien de messages j'ai eu? Ce n'est pas « Seigneur, merci pour cette nuit. Où m'attends-tu en ce jour? Où m'attends-tu ce matin ?» Non, ce n'est plus ça. Il faut qu'on se le dise, les frères. Nous sommes tous impactés par, n'est-ce pas, ces réseaux sociaux. Nous sommes tous, je peux dire, combattus. Nous avons lu où le Seigneur dit « Le monde est sous la puissance du mal ». Frère, ce mal a pris plusieurs formes. Ce mal a pris plusieurs mécanismes dans le but d'assoupir les chrétiens. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Si tu n'as pas un compte Facebook, si tu n'as pas un compte TikTok, tu n'es pas un humain. Non! Ces choses qui sont dans le monde nous éloignent du Seigneur. Nous éloignent du Seigneur. Les parents ont perdu la communion avec leurs fils à cause des réseaux sociaux. Vous vous imaginez, vous entrez dans une maison, vous voyez le père assis, parfois en train de lire le journal, ou en train de parler à son fils, mais le fils est sur l'application. Merci Seigneur. Nous allons prendre un passage dans Genèse 1. Genèse 1,
à partir du verset 20, à partir du verset 27, hein, Genèse 1, à partir du verset 27, vous allez voir, à partir du verset 27, nous allons comprendre quelque chose. J'aimerais faire ressortir quelque chose par la grâce du Seigneur. Elohim créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur la terre. On comprend par là que l'homme a un rôle de celui qui domine, de chef. L'être humain a ce rôle de gouverner la création, de la contrôler. Mais frère, si vous êtes honnête, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes gérés par WhatsApp, par Facebook. Au lieu que c'est nous qui dominons sur des choses créées par les hommes même, ces choses dominent sur nous. Ces choses éteignent la vie de Dieu en toi et moi. Si nous ne nous disciplinons pas, si nous ne réalisons pas, si nous ne prenons pas des décisions fermes, je vous assure, les réseaux sociaux éteignent la vie de Dieu dans ses enfants. La vie de Dieu est menacée en nous à cause des réseaux sociaux. Regardez comment la pornographie, l'homosexualité a été introduite dans nos maisons par les réseaux sociaux. Dans les années 80, 81, 90, il était très difficile pour nos parents de concevoir qu'à la télé, des personnes du même sexe aillent à l'intimité. C'était vraiment inconcevable. Mais petit à petit, on nous a introduit ça au travers de la télé. Parce que même la télé, ça fait partie de ces réseaux sociaux-là. On nous a introduit ça par la télé. Après, c'est on va faire comment? Et aujourd'hui, on a adhéré à cela. Frère, il faut prendre des décisions radicales. Il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Les réseaux sociaux sont devenus quelque chose qui nous distrait. Les parents aujourd'hui s'efforcent à envoyer les enfants à l'école. Ils leur donnent l'argent de baigner le matin. Vous, jeunes qui me regardez, vous avez 1000 francs le matin pour aller à l'école. Au lieu de prendre du taxi, vous préférez marcher à pied, vous fatiguez, et le soir, c'est acheter les mégas pour être sur Facebook. Qu'est-ce que vous faites? C'est parfois des films pervers, c'est parfois des conversations infructueuses. Je bénis, j'encourage tous ces frères-là qui utilisent de l'Internet pour les recherches, pour accroître leurs connaissances, parfois dans la vie professionnelle, parfois dans la connaissance même de comment marcher pour le Seigneur, qui parfois ont des difficultés à l'école et vont sur l'Internet parce qu'il faut résoudre un problème mathématique. Je vous encourage. À l'origine, beaucoup de ces créateurs des réseaux sociaux n'avaient pas pour... Il y en a qui se sont fait manipuler parce qu'ils n'avaient pas le Seigneur. Oui, ils avaient des pensées de dire, oui, c'est bon qu'un livre mathématique soit sur Internet accessible à presque tout le monde, mais l'ennemi derrière avec sa pensée. Et aujourd'hui, il est un devoir pour nous chrétiens qui avons compris cela, de vous encourager à vous discipliner. Quand on veut tuer quelqu'un aujourd'hui par la langue, comme le Seigneur le dit, c'est au travers des réseaux sociaux. Regardez. Il suffit que votre nom soit ou une vidéo de vous soit lancée sur TikTok. C'est le monde entier qui vous connaît. Même celui qui ne vous connaissait pas. Et c'est ainsi que beaucoup de couples même sont détruits à cause des réseaux sociaux. Les mauvaises rencontres se font dans Facebook. Ils appellent Facebook le village interplanétaire. Mais les amis, c'est dans Facebook que vous rencontrez du n'importe quoi. C'est une poubelle universelle. Si vous ne réalisez pas cela, combien de temps prends-tu par jour rien que pour zapper les images? Allez dans les banques, allez dans les lieux où on fait la queue. C'est les réseaux sociaux. Ça veut dire, pour attendre quelqu'un, c'est les réseaux sociaux. D'aucuns ne pensent même plus à leur lendemain. D'aucuns ne réfléchissent même plus sur comment ils feront pour l'éducation de leurs enfants, pour encourager un frère ou une sœur. Certains frères même te diront, je t'ai envoyé un verset. Frère, tu as envoyé le verset, mais dis à celui qui a regardé que, attache-toi à la Bible, attache-toi à la parole du Seigneur, médite-la. Médite-la, parce que celui qui te partage a médité. Parce que celui que tu suis tous les jours, le pasteur auquel tu prends plaisir, il n'est pas Yahweh. Yahweh veut que toi, tu viennes vers lui.
Yahweh ne veut pas que tu ailles vers les hommes. Ce n'est pas toujours ce que Dieu a dit à l'homme d'Élohim auquel tu dois t'attacher. Le Seigneur veut aussi te parler à toi dans l'intimité. Il te veut. Quand vous échangez avec les pères, les parents de nos jours, il y a des parents qui sont tristes parce qu'ils ne se sont plus assis 30 minutes avec leur fils pour parler. L'enfant est tout le temps connecté. Et c'est ainsi que beaucoup des enfants sont balayés. Beaucoup des jeunes, je vous assure, la jeunesse est livrée. Il suffit que Gabon Télécom ou RTL grève, vous verrez le soulèvement de la jeunesse. Pourquoi? Parce que le réseau social est coupé. Et l'ennemi le sait. Ces artifices qui sont dans le monde, ces choses qui sont dans le monde, sont là pour nous pervertir, pour détruire les jeunes. Si toi tu peux faire, regarde si dans ta vie tu peux faire, si en une journée, est-ce que tu peux faire une journée sans visiter les statues? Donc on veut dire non, au travers des statues, je suis encouragé. Frère, tu seras plus encouragé encore si tu méditais ta parole. Nous les chrétiens, nous avons oublié que l'une des portes que l'ennemi utilise pour nous injecter des pensées impures, pour nous combattre en esprit, c'est nos yeux, frère. Et l'ennemi l'a compris. Voilà pourquoi il a mis sur pied ses réseaux sociaux. Il suffit qu'une image qui ne glorifie pas le Seigneur passe sous tes yeux, frère, ta pensée est affectée. Quoi que tu joues à celui qui est robuste, tu es impacté par cela. Il faut que tu le comprennes aujourd'hui. Est-ce que tu peux mettre ton téléphone de côté? Est-ce que tu peux avoir un téléphone aujourd'hui sans ces réseaux sociaux? Et prenez conscience, observez bien. Dès qu'il y a des vidéos qui veulent ramener l'homme à la raison, qui veulent interpeller l'homme, ces vidéos sur ces réseaux sociaux sont mises au dernier plan. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez, c'est mis au dernier plan. Ce n'est même presque pas vu. Mais une vidéo qui montre la nudité, la perversion, l'abomination, c'est cette vidéo-là qui a le plus de vues. C'est cette vidéo. Parce que ces gens ont compris, parce que l'ennemi a compris que l'homme est insatisfait. L'homme veut toujours découvrir. Ils ont compris que le cœur de l'homme, la Bible dit dans Noé là-bas que chaque jour le cœur de l'homme s'attachait au mal. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Aujourd'hui, notre devoir en tant que fils d'Élohim, c'est d'interpeller, vous dire, disciplinez-vous. Les réseaux sociaux sont en train de détruire la nation, sont en train de détruire les chrétiens. La conscience est détruite à cause des réseaux sociaux. La conscience est bafouée, elle est mise de côté. Et ce que les gens, les chrétiens aujourd'hui n'ont pas compris, c'est que je vous assure, frère, si on veut, n'est-ce pas, inonder les pensées impures à un peuple primitif dans nos jours, ça veut dire un peuple, quand je dis primitif, mais essayez de me comprendre pour dire qu'ils ne sont pas encore à l'ère moderne, comme on le dit. Il suffit de faire arriver soit de la fibre optique, pour dire tout simple, de l'Internet. Ce peuple sera perverti. Ce peuple sera perverti, je vous assure. Si l'on veut égarer une famille, on met à leur disponibilité Internet. Vous verrez que très peu de gens vont sur l'Internet pour chercher de la connaissance, pour grandir. Non, c'est les réseaux sociaux. Vous verrez que pour détruire un foyer, un couple, on utilise les réseaux sociaux. Toutes ces choses montrent que Yahweh n'est pas derrière cela. Même les fils d'Élohim de nos jours, il est difficile de voir un fils de Yahweh sans un compte Facebook, sans un compte WhatsApp. Il vous dira, oui, je communique avec la famille et autres. Mais demandez-lui, est-ce qu'il peut passer une journée sans visiter les statues? Parce qu'au travers des statues, beaucoup sont pollués. Disons-nous la vérité. Qui aujourd'hui peut se vanter d'avoir une page Facebook sans sur le côté des personnes mal habillées, sans sur le côté des images perverses? Même quand vous voulez vous connecter sur votre compte Yahoo, observez bien, il y a des images impures qui sont mises. C'est fait à dessein, frère. C'est pour te détruire, toi et moi. Il faut que nous le saisissions. Je ne condamne pas ces gens-là qui utilisent ces réseaux sociaux parfois pour vanter leurs produits. Le Seigneur dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est aussi un outil de communication. J'ai dit, amen à cela. Mes frères, plus de mal est véhiculé dans ces choses que de bien.
J'encourage ces frères et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour vanter leurs produits, pour enrichir leurs connaissances, pour s'efforcer professionnellement à grandir, pour améliorer leur façon de servir Yahweh. Mais les réseaux sociaux, frère, il faut que l'on réalise, on a besoin de se discipliner. Combien de temps donnes-tu aux réseaux sociaux par rapport à Yahweh? Combien de temps passes-tu dans la prière, mon frère ou ma sœur? Combien de temps tu passes dans la prière? Si tu compares ton temps sur les réseaux sociaux et le temps que tu donnes au Seigneur, tu verras que ton Elohim, c'est les réseaux sociaux. Si aujourd'hui tu as du mal à t'en passer de ton téléphone, il faut te poser des questions. Si tu as du mal à dire, je peux faire une journée sans mon téléphone, frère, implorons la grâce de Yahweh, que cela arrive. Que cela arrive qu'on puisse s'en passer de nos téléphones, de nos Android. Les couples aujourd'hui, je connais un frère il a fait un voyage, ça c'est juste pour témoigner, il a fait un voyage dans un pays lointain. Et un soir, il est descendu au rez-de-chaussée de l'hôtel, n'est-ce pas, pour prendre un peu d'air. Et à cette heure-là, vu que c'était un étage d'environ 30 immeubles, des personnes rentraient, en fait, ceux qui habitent, qui prennent l'hôtel. Parce que dans cet hôtel, il y a des gens qui vivent de façon continue. Bon, ce n'est pas l'hôtel en tant que tel, mais c'est, je peux dire que c'est des maisons à louer, en fait, avec ascenseur et autres. Mais ce frère a été scandalisé de voir que même les couples qui rentrent du travail, chacun était connecté. Vous voyez, ça donne l'image de ces esclaves que les réseaux sociaux ont fait de nous. Ça donne cette image de l'homme esclave aujourd'hui, de sa création lui-même. Pourquoi? Parce que beaucoup ont refusé le Seigneur. Parce que beaucoup ne mettent pas le Seigneur en priorité. Beaucoup refusent d'appliquer les ordonnances du Seigneur. Le Seigneur dit dans Josué, le Seigneur dit dans Josué 1:8, prenons Josué 1:8. Nous verrons ce que le Seigneur nous dit là-bas. Josué 1:8. Si les frères peuvent trouver le verset, Josué 1:8. Le Seigneur dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je souligne ici que quand le Seigneur parle de tes entreprises, il ne parle pas de vos entreprises, hein. Il parle de ce que tu as entrepris pour lui, parce que à ce temps-là, Josué avait comme entrepris la marche vers la terre de Canaan, qui aujourd'hui est l'image pour nous de la marche vers la Nouvelle Jérusalem. Frère, ça fait combien de temps? Est-ce que ce passage-là, tu l'appliques encore dans ta vie? Regarde le temps que tu prends pour les vidéos. Tu vas suivre des vidéos, tu te diras, oui, j'ai suivi, c'est sur les réseaux. J'ai suivi, je suis enseigné. Frère, on se trompe. Frère, on se trompe. La preuve en est que dès que tu décides de prier, dès que tu décides de méditer, tu es combattu dans ta chair. Parce que Satan n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Aujourd'hui, le temps est venu pour nous, pour moi, par la grâce du Seigneur, de t'interpeller pour que tu te disciplines dans les réseaux sociaux. Pour que tu te disciplines loin des réseaux sociaux, pardon. Pour que tu mettes sur pied une discipline et que tu demandes la force au Seigneur. Toi qui aimes Yahweh, toi qui aimes le Seigneur. Pour que ta vie chrétienne soit davantage meilleure. Aujourd'hui, c'est à la mode. Même les églises ont des comptes Facebook. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver de si beau d'avoir un compte Facebook? Pierre, Paul, Jean, Jacques, ils n'ont pas eu des comptes Facebook. On a vu leur façon de servir le Seigneur. On a vu leur façon de servir le Seigneur. Si ces hommes-là qui ont créé Facebook n'avaient pas le cœur en Jésus, la patience que le Seigneur devait les donner, devait les amener à réaliser que, mais en fait, ce que nous voulons créer là détruira le monde. Mais le fait qu'ils ont refusé le Seigneur, ils ont été burnés par l'ennemi et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Mais si nous ne prenons pas conscience, frère, si nous ne prenons pas conscience que les réseaux sociaux ne sont pas là pour nous aider, comment ferons-nous? Si nous nous refusons de nous discipliner, comment ferons-nous? Regardez les ravages que TikTok fait. Regardez les ravages. Regardez l'impudicité. Regardez comment l'homosexuel est enseigné aux gens au travers des réseaux sociaux, les amis. Je dis enseigné. Vous qui regardez, vous dites non, c'est une image qui est passée. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, que se passe-t-il dans vos pensées, dans votre cœur?
Il y en a qui, après être passés sur Facebook, après être remplis spirituellement de mauvaises images, de mauvaises choses qu'ils ont vues, ils ont des envies bizarres. Ils disent, mais Seigneur, d'où ça sort? Frère, ça sort des réseaux sociaux. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu ne peux me dire, j'ai passé tout mon temps en voulant regarder mes messages sur Facebook qui m'a écrit. J'ai vu des images bizarres passer et je suis propre. Frère, arrêtons de nous mentir. Les statues, pareil. Regarde le nombre de déconcentrations que tu as subies à cause des statues. D'aucuns disent non, les notifications sont bien. Ça te permet, ça t'alerte. Frère, ça te déconcentre, ça t'éloigne du Seigneur. À chaque fois que tu essayes de faire quelque chose de bien, c'est un message, c'est une nouvelle publication. Frère, il faut prendre conscience et fuir. Il faut prendre conscience et fuir. Il faut prendre conscience et fuir. Mais si Seigneur, prenons Romains 12. Prenons Romains 12. On va voir ce que le Seigneur nous dit. On va voir ce que le Seigneur nous dit par rapport au monde dans lequel nous sommes. Romains 12. Romains 12. Romains 12. Si les frères peuvent trouver le passage. Ok. Romains 12, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui suit, frère, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Le Seigneur dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, que nous devons sanctifier nos corps, frère. L'offrir ça comme un sacrifice. Ton corps a les yeux, frère. Ton corps a des oreilles. Et nos yeux sont devenus des poubelles. Nos yeux sont devenus les moyens par lesquels l'ennemi passe au travers des réseaux sociaux. Frère, beaucoup d'entre nous, si nous sommes honnêtes, nous n'arrivons pas à nous en passer de ces choses. La chair aime cela. Quand tu constates que ta chair aime cela, frère, il faut crier au Seigneur. C'est le moment de te décider. Ce n'est pas quelque chose de bien, les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ceux-là ont eu l'intelligence obscurcie. Ils ont créé des choses pour davantage combattre l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Mais le Seigneur dit de ne pas se conformer à ces choses, de vivre selon le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire selon ce que l'Esprit du Seigneur nous dit. Et beaucoup d'entre vous, vous avez été interpellés par le Seigneur. Personne ne dira que c'est aujourd'hui qu'il est vraiment conscient de cela. Je suis convaincu dans mon cœur que beaucoup d'enfants du Seigneur ont été interpellés par les réseaux, ont été interpellés de laisser les réseaux sociaux, de se discipliner. Et je profite aussi ce soir pour dire à toi, jeune qui m'écoute, à toi qui t'es fait enseigner par les réseaux sociaux, à toi qui as un comportement horrible à cause des réseaux sociaux, à toi qui dépense, frère, je vous assure, comptabilisez les mégas que vous payez, la jeunesse, comptabilisez les mégas, comptabilisez les francs CFA dépensés pour les mégas. Il y en a qui, par mois, se trouvent à 35 000, 40 000 francs. Il y a même des personnes qui ont du mal à manger, mais parviennent quand même à acheter Canal+. Ils ne peuvent pas s'en passer de la télé. Frère, il y a un problème. Frère, il y a quelque chose qui ne marche pas et dont nous n'avons pas saisi et dont nous refusons pour d'aucuns d'accepter, de comprendre qu'il faut de la révolte dans nos cœurs pour abandonner ces réseaux-là, pour abandonner ces choses-là. Au travers des réseaux sociaux, les gens sont manipulés. Les gens sont manipulés. Puisque l'information n'est pas vérifiée au travers des réseaux sociaux, où vérifiez-vous? Où allez-vous les vérifier? Quelqu'un se lève un matin et dit quelque chose, vous croyez, vous acceptez. Les réseaux sociaux sont une poubelle. Les réseaux sociaux ont pour objectif, toi frère qui me coûte, toi sœur, de tuer ta vie, de tuer ta relation avec le Seigneur.
Il y en a qui se dit en écoutant un pasteur parce qu'il parle bien. Mais frère, si on est honnête, combien de pasteurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui prêchent la sanctification? Combien aujourd'hui disent qu'il faut fuir le péché? Combien? Frère, combien? Combien aujourd'hui sur les réseaux sociaux enseigne comment aimer sa femme pour ceux qui sont mariés? Comment aimer son mari pour les femmes qui sont mariées? Combien aujourd'hui? Frère, il faut fuir les réseaux sociaux. Il faut fuir ces choses pour dire, se discipliner. Les utiliser selon le Seigneur. Frère, vous savez, la puissance, ce que j'aime dans mon Seigneur Jésus, c'est quoi? L'ennemi va créer quelque chose pour détruire le peuple. Mais la Bible nous dit que le Seigneur, tellement il est puissant, alléluia, il va retourner, ça veut dire il va utiliser ces choses-là pour enseigner ses enfants. Par une discipline, par une rigueur. Oui. La Bible ne dit pas tel que le Seigneur dresse une table en face de tes ennemis avec toi. Mais oui. La discipline, elle est possible. Je veux ainsi encourager ceux-là qui s'efforcent depuis des années. Ceux-là qui ne passent pas à longueur de journée à regarder les statues. Non. Ceux-là qui ne passent pas les longueurs de journée à regarder les femmes dénudées sur les réseaux sociaux. Non. Frère, l'ennemi a compris que la vente des CD pornographiques, déviants, ne peut pas impacter parce que son temps est proche. Son temps est proche, sa fin est proche. Il a dit non, il faut les réseaux sociaux. Et regardez comment ça balaie. Regardez comment les réseaux sociaux amènent les gens. Frère, regardez comment les réseaux sociaux détruisent. Regardez l'attachement. Nous avons lu, le Seigneur veut que nous dominions les choses, mais ces choses dominent sur nous. Ces choses nous dominent, ces choses nous contrôlent. Tu te lèves le matin, au lieu de louer le Seigneur, bénis le Seigneur parce que oui, tu m'as encore donné une occasion d'ouvrir les yeux. Frère, c'est les messages que l'on regarde si on nous a écrits. Et cela est entré de façon subtile dans nos vies. Et les chrétiens ont été emballés. Les chrétiens ont été emportés. Les groupes WhatsApp chrétiens, les groupes ceci, cela, frère. Je ne suis pas contre l'envie de se réunir de façon virtuelle pour prier. Mais frère, réalisons que ces choses parfois nous absorbent le temps. Toi qui priais une heure, toi qui avais pris la décision que par jour, Seigneur, je te donnerai 2 heures de mon temps dans la prière, dans la méditation. Frère, aujourd'hui, ce temps-là est où? Les réseaux sociaux l'ont emporté. Tu es plus attaché au groupe WhatsApp des frères et sœurs qu'à ta relation intime avec le Seigneur. Tu es beaucoup plus attaché à la communion fraternelle sur WhatsApp qu'au Seigneur. Tu es beaucoup plus à l'affût des prédicateurs, ça et là, qu'au Seigneur. Et c'est ainsi que tu te fais souiller. C'est ainsi que tu as des pensées impures qui te traversent à cause des images que tu regardes. Vous savez, l'ennemi a compris, hein, comme je l'ai dit, que t'introduis l'impudicité dans ton cœur, c'est pas en parlant, c'est en te faisant voir des choses, parce que ta chair va réagir. Et remarquez que les réseaux sociaux sont beaucoup plus images que paroles. Ah oui, elle est beaucoup plus images. Merci Seigneur, on va prendre un passage, 1 Jean 10, prenons Jean 10, 27, on va voir la recommandation, ou alors ce que le Seigneur dit des têtes de ses enfants. Jean 10, verset 27. Hein? Jean 10, verset 27. Jean 10, le Seigneur dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, frère. » C'est pas moi qui parle, c'est le maître. Il dit, ses brebis entendent sa voix. Il n'a pas dit ses brebis voient. Il n'a pas dit ses brebis voient des vidéos. Il n'a pas dit c'est au travers des vidéos que ses brebis le voient. Il a dit ses brebis entendent sa voix. Et quelle est la voix primordiale, la voix dont le Seigneur priorise? C'est sa parole. C'est sa parole. Combien de chrétiens aujourd'hui ont encore la Bible écrite, frère? Combien de chrétiens prennent encore plaisir aujourd'hui à la Bible écrite? Les frères, c'est bon pour le passage. Combien de chrétiens aujourd'hui encore lisent la Bible, s'asseyent et prennent et feuillettent? Combien aujourd'hui, frères? Le Seigneur dit,
Vous marcherez par la foi et non par la vue, frère. Les réseaux sociaux veulent que nous marchions par la vue, par ce que nous avons vu. Et c'est ainsi que nous sommes détruits de l'intérieur. Nous sommes détruits. La chair s'est attachée à ça. La chair s'est attachée à ça. Au début de ta conversion, tu ne pouvais supporter un homme dénudé. Mais aujourd'hui, c'est toi qui envoies les images de blagues aux gens, à tes frères, à tes soeurs, où les gens sont dénudés, bagarrant avec une chèvre, bagarrant avec un bœuf. Frère, Paul n'a-t-il pas dit, ne prenez pas plaisir aux plaisanteries, Paul, quand tu le dis, nous savons que Paul, c'était quelqu'un qui craignait le Seigneur. Quand il le dit que les chrétiens ne prennent pas plaisir aux blagues, frère, il connaissait qu'au travers des blagues, l'ennemi travaille. Frère, réalisons que nous combattons quelqu'un qui est né avant l'homme. Il a vu l'homme. Il a vu le Seigneur façonner l'homme. Il connaît. Ne nous disons pas que nous sommes forts, mais prenons, n'est-ce pas, des décisions et demandons de l'aide au Seigneur. Je ne suis pas meilleur, frère. Nous combattons tout cela. Nous combattons tout cela. La Bible dit que c'est comme ça que les nations marchent. C'est comme ça que les nations marchent. Vous savez, une grande partie de ceux-là qui ont rejeté le Seigneur, une grande partie de ceux-là qui ont refusé que le Seigneur travaille dans leur vie, ne peuvent vivre sans les réseaux sociaux, ne peuvent vivre sans l'Internet, frère. Ne nous cachons pas disant qu'au travers des réseaux sociaux, nous prêchons l'Évangile. Frère, Paul, Jean, Jacques, ces gens-là, ils n'ont pas travaillé avec les réseaux sociaux. Il faut qu'on le dise clairement. Ils n'ont pas travaillé avec. Quoique les réseaux sociaux permettent de communiquer, ils n'ont pas travaillé avec. Nous dénonçons ces jeunes. Nous disons que non, ces jeunes qui prennent les stupéfiants, ce n'est pas bien et tout. Mais frère, si on est honnête, WhatsApp, Facebook, TikTok, ces réseaux sociaux sont des stupéfiants pour nous. La preuve est qu'on a du mal à s'en détacher. On a du mal. Si ce n'est pas pour toi comme une drogue, si ce n'est pas pour toi comme un stupéfiant, si ce n'est pas pour toi comme quelque chose auquel tu ne peux pas... Détache-toi. Ne justifie pas l'utilisation de ça. Nous avons vu ensemble, nous avons pu sortir certains points où nous voyons vraiment que les réseaux sociaux produisent plus d'actes, plus d'effets négatifs que positifs. Les réseaux sociaux détruisent plus. Pour beaucoup qui ne le savent pas, la technologie, l'avancement de la technologie, elle pervertit plus l'homme qu'elle ne guérit l'homme. Hein. Ah oui, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on le sache. L'évolution technologique est une arme de destruction massive que l'ennemi utilise pour pervertir l'humanité. La Bible va nous dire là-bas dans Genèse, je crois dans Genèse, hein, comment le Seigneur a confondu Babel, comment la tour. Frère, réalisez que la tour qui était conçue par les hommes, chaque homme devait avoir sa maison, chaque homme devait avoir sa villa. Et c'était très facile pour eux de se connaître, de se toucher, de se voir. Or, le Seigneur les avait dit de s'éparpiller dans le monde. Mais aujourd'hui, réalisez, frère, ce Facebook, ce TikTok, chacun a une fenêtre, chacun a sa maison, tout comme Babel où le Seigneur a confondu. Chacun a une fenêtre, image de sa maison, une fenêtre dans laquelle l'autre peut venir voir. Frère, sœur, je vous encourage. Jeune homme, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, toi qui es attaché à cela, loin de nous, loin de moi, l'idée de te condamner, mais c'est de t'interpeller, de te dire, réalise que t'es les pensées impures que tu as, réalise que si tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur pour te discipliner, c'est la perdition. Oui, il faut que l'on prenne conscience aujourd'hui. Je bénis ceux-là qui ne se sont pas attachés à ces choses, ceux-là qui le Seigneur a fait grâce, je vous encourage. Je vous encourage, toi frère, je t'encourage, toi qui te disciplines chaque jour, toi qui as compris cela, je t'encourage. Parce que tu ne te conformes pas à ces choses. Parce que tu refuses ces choses. Parce que tu as dit non à ces choses. C'est au travers des réseaux sociaux que nous avons des mariages non fructueux, que nous avons des rencontres pervers. Oui. La Bible nous parle du fiançailles de Marie avec Joseph. Ils parlaient, ils s'étaient vus, ils communiquaient. Physiquement, ils s'étaient vus. Mais aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, vous avez des mariages. Nous ne savons sur quelle base.
D'aucuns vont vous dire, moi je l'ai fait. Ça a porté du fruit. Non. Ton exception n'est pas la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui est censée être cette lampe qui nous guide. Oui. C'est la parole du Seigneur, frère. C'est la parole du Seigneur. Donc vraiment, c'était ça qui brûlait dans mon cœur. Frère, disciplinez-vous. Frère, réalisez, vraiment évaluez le temps que vous donnez aux réseaux sociaux et prenez une réelle décision. Prenez une réelle décision. Ne vous mentez pas à vous-même, disant qu'au travers des réseaux sociaux, votre vie chrétienne avance. Elle rétrécit. Ne vous dites pas que oui, je connais un pasteur avec qui le Seigneur marche et vous êtes attaché à sa chaîne. Le Seigneur veut que vous soyez attaché à sa parole. Le Seigneur te veut à ses pieds. Le Seigneur te veut avec lui. Le Seigneur veut que tu le suives comme sa brebis, comme il le dit. Le Seigneur te veut jour et nuit dans sa parole. Le Seigneur veut que si tu dis je vais sur internet, que ce soit pour quelque chose qui pourra te faire grandir dans ta marche chrétienne, sans pourtant t'y attacher à cela, parce que c'est à la parole du Seigneur qu'il faut s'attacher. Si les frères peuvent retrouver le passage dans Jérémie où le Seigneur dit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. » Au travers des réseaux sociaux, là, une grande partie de la confiance des hommes sont sur les hommes. Une grande partie de la confiance des hommes repose sur les hommes. Les hommes ont perdu la confiance dans le Seigneur parce que c'est dans l'intimité que notre confiance grandit avec le Seigneur. Mais étant attaché aux réseaux sociaux, frère, comment grandiras-tu? Comment ta confiance dans le Seigneur va grandir? Elle est plutôt chez les hommes. Elle est plutôt chez les hommes. Merci Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Frère, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Beaucoup vont se confier aux gens qu'ils ont rencontrés au travers des réseaux sociaux, sans pourtant les connaître. Beaucoup y vont là-bas. Beaucoup de personnes qui ont besoin d'amour vont dans les réseaux sociaux chercher cet amour-là, frères, ses soeurs, amis, parents. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas que vous trouverez l'amour véritable. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Yeshua. Le Seigneur est amour. La Bible dit, il est venu mourir à la croix par amour. Il est venu mourir à la croix par amour. Réalisez cela et disciplinez-vous, frère. Réalisez cela et prenez des décisions fermes. Réalisez cela et détachez-vous des réseaux sociaux. Que le Seigneur soit béni. Soyez encouragés, vous qui m'avez suivi. Regardez, frère, même quand vous allez dans des administrations pour être servi, les gens délaissent leur travail parce qu'ils sont connectés. Frère, les gens délaissent leur gagne-pain parce qu'ils sont connectés avec un ami ou avec... Ces réseaux sociaux suscitent la paresse même dans nos vies. Ça suscite la paresse, frère. La distraction est dans beaucoup de nos vies à cause des réseaux sociaux. Même dans les réunions au travail, les gens sont sur les réseaux sociaux. Jusqu'au taximan, frère. Regardons à quel point les réseaux sociaux détruisent. Vous êtes avec quelqu'un, il est au volant de sa voiture, il téléphone, il a un appel sur WhatsApp. C'est vrai, c'est facile avec les mégas de passer les appels comme l'on veut. Mais frère, regardez comment il est distrait. Regardez comment la vie des gens sont menacées même dans le taxi à cause des réseaux sociaux. Les amis, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Les réseaux sociaux sont en train de balayer l'humanité. Ça balaye l'humanité. Si l'on veut détruire un produit, un riz, une tomate, une boîte de tomates, quelque chose, frère, on passe par les réseaux sociaux. Et les chrétiens ont pris le plaisir à cela, frère. Il faut se déconnecter. Connectons-nous à Yahweh. Connectons-nous à Jésus, à celui-là qui donne la vie. C'est vraiment ce qui brûlait dans mon cœur. Soyez encouragés. À la prochaine, au nom de Yeshua.